Grand François Nosé. Comment? Moi c'est chef Grand François Nosé. Moi acheté machine le 24 janvier dans Universal Motors. 24 janvier 2023 m'acheter machine. Son machine pour même faire premier service là dans même. On machine fait à bouler. Moi tellement sensible pour machine moi parce que moi comment ça est Haïti. Comment mouvement moto à Haïti marche spécialement pour petite moi. Moi tellement sensible pour machine moi même pendant que problème gaz là même en bas pompe on pas le faire gaz. Parce que me pas appeler monde craser machine parce que dans pays ça sort gagne ou tout gagne. Soit gagne ou tout gagne son pays qui difficile lié. Non seulement leur gros machine pour pas gagne seulement pour monter non. Leur gros machine tout cas gros n'est pas de problème là petite tout gagne n'est pas de problème dans ces machines non ou bail kembe. Pour prendre cobre pour gérer problème donc moi besoin machine moi besoin machine moi m'a demandé l'état haïtien comme qu'on est en Haïti pas de justice mais ça c'est habilié ça c'est habile nous pas qu'à prendre machine yon monde ça c'est habile d'autorité lié nous pas qu'à prendre machine yon monde pour nous craser comme ça nous la game des bras ballon m'a pied m'a prendre moto là pour mener petite moi l'école bien loin moi pas qu'à le travail toute activité paralysée depuis mardi nous yo pas jamais dit rien yo fin craser machine là yo prend machine pas pour côté la game machine là jou yo craser machine là m'aller tout côté net mal des machines pas qu'à jeune machine c'est hier les mal des CPJ yo dit yo à peine fin mettre machine dans des CPJ l'aime garder les nous faire constant dans machine là nous joindre pas gagne rien machine là même réchaud pas qu'à faire même réchaud pas qu'à faire et qu'on y a là pour mon acheter une machine il te met pas machine neuf non combien cob pour gagner pour acheter une machine qu'on a toute bagaille c'est en dollars donc moi même moi besoin machine moi travaille dur pour me payer machine non machine non pas machine Esaü César et même l'elle te machine Esaü César nous pas gain droit pour nous craser machine non comme ça même l'elle te pour Esaü voir que c'est pour moi machine non si n'aller dans Universal n'a jeune homme et mes papiers machine non même là c'est nom qui sous machine non c'est moi qui signe contrat c'est moi qui signe contrat avec Universal Motors c'est moi qui paye machine moi donc m'a demandé justice m'a demandé pour l'état haïtien m'a prédit ça encore docteur Ariel Henry. Je pense que vous êtes quand même un petit crasse. Je pense quand même vous êtes un petit crasse d'humanité là. Tant pis, remettez moi machine. France LB, Frédéric Lecomte, tant pis, remettez moi machine. C'est ça. Ok, madame, vous venez devant vous mettre à jour ensemble avec Marou. Si tu fais l'état de machine, qui ça ne peut pas faire? Bon, on a fait tout de suite les galions, on a fait tout de suite les galions. Pour nous, si vous ne voulez pas remettre nos machines, on a pris l'autre chemin, nous avons un avocat, nous c'est les mêmes captifs, tout ça pour nous. Le fait que les machines ça l'ont arrêté au monde ou pas arrêté avec les machines ou arrêté mon nom par exemple pas rien qui pour droit d'ailleurs même comme ce gouvernement estimé que les policiers n'ont pas de droit pour la machine non comme ce gouvernement dit il pas de voyer policier à l'arrêter machine il devoue l'arrêter un individu donc machine était en bonne sécurité dans le commissariat d'Elma le policier a choisi de son propre chef, selon le commissaire gouvernement. Selon ça, je m'entendais que tu as répété. Ok? Donc, monsieur prend la machine, non? Crasez la machine, non? Donc, vous accusez de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Nous, on est là, vous accusez de complot. Qui ça, complot, vous dit? Un type de monde, comme moi, qui complot qu'on fait chaque jour dans la rue à terre avec un petit train de moto? Qui complot qu'on fait? Qui comprend mon affaire? Donc, menace. Qui menace? Docteur Ariel Henry connaît exactement qui a été moun, qui a fait menace contre lui, qui est capable de faire complot pour jeter le pouvoir. Mais est-ce que vous trouvez dossier ça qu'on met caché là-dedans? L'État haïtien, par le biais de Docteur Ariel Henry, Docteur Ariel Henry, qui Jacques Lafontaine, c'est le commissaire gouvernement, et pas dit mais caché, parce qu'il n'y a pas de tout figure. Immédiatement, il a arrêté un monde. Ou pas de matière pour Kébé. Ou vin net. Comment on imagine pour l'arrêter un nègre sous base qu'il fait complot contre lui? Et ou pas de aucune preuve. Ou monte à l'fond, ou d'allemande un juge de aller là, quand monsieur, à l'fond, en perquisition. Là, ou un par exemple dans la perquisition, ou un zam, ou une balle, ou un tout ce qui est bagaille, laisse ça au cas dit, mon nègre fait complot. Ou qu'a accusé mon nègre de complot. Je ne vais pas faire pas. Le premier ça pour être fait, c'était temps de me passer, fouiller moi. Si vous mettez ton âme dans la moto, vous mettez ton âme dans la moto. Si vous mettez ton âme là, vous allez faire perquisition là, vous allez faire perquisition là. Ouais, type comme hier.
directeur général de la police qu'on dit m'a bam zam. Je vais accepter. Moi-même. Yo qu'on dit que et ça ou pas marcher sans zam, ça pas intéressé. Zam a feu pas intéressé. Vous imaginez un type de monde comme bandit croisé avec moi, bah, j'aime avec eux. Sans âme. Je ne pas quoi dans âme. Comment on va faire dans le complot? A qui ça va faire complot là? Pour qui ça? Complot pour qui ça? Comme si un type de monde comme on va faire complot, je dis, docteur Ariel Henry, qui est toute autorité, toute policier, tout calme, militaire, bagage d'elle, mais le complot, qui va faire complot ça là? Alors, commissaire gouvernement, substitut commissaire gouvernement, tu vois, là, c'est tellement une niaiserie, il dit, ça a eu, entre la KO. Il n'y a pas matière. Où sont manœuvres politiques? Vieux manœuvre qui va comme soin. Hein? D'ailleurs, c'est faibli, affaibli l'État. L'eau font pas comme ça, ou affaibli la justice là, ou affaibli l'État. Pas un monde qui a pris au sérieux. Pour nous, ok, ce qui base pour arrêter là. Qui ça me fait pour arrêter? Pour arrêter pour complot. Qui complot, complot qui ça? Camarade de promotion, les autres débats là, ils ont ému, bah, ça fait retourner. Comment on va accuser un nègre qui va même un bout de couteau? La marché de complot. Qui ça m'a fait qui complot? En guise pour me faire complot, c'est aider de l'État. Les bandits ont des problèmes, c'est moi qui prends les ministres, les techniciens de la police, pour me dire attention, fais telle bagaille, prends telle disposition. Moi-même. Et moi qui prends l'État, je me dis prends telle disposition. Parce que nous sommes des gens qui sont bien informés. Vous comprenez? Donc moi toujours dit l'État prend disposition. Les moi attendre, je vais aller sur la radio, je me dis, faut que l'État prenne disposition. Il faut que la police prenne disposition, fasse ceci, fasse cela. Elle dit plus aider l'État. On est dans un complot. Vous comprenez? On est qui dans un complot? On est qui dans un complot contre le pouvoir? Qui a fait tout le bagaille? Elle dit au lieu que nous avons un complot, c'est aider le pouvoir. Elle dit gouvernement, l'État haïtien, direction générale de la police, nous plus aider direction générale de la police. Vous comprenez? Alors, au lieu dans un complot. Bah, nous machines là. Les machines là. Et la police, plus que Dr. Ariel Henry, c'est le président, vice-président, conseil supérieur de police nationale. Plus que c'est pendant l'arrestation qui vient à voir Dr. Ariel Henry, parce que c'est accusé de complot contre la sûreté intérieure de l'État et menace contre le Premier ministre. Elle dit que le Premier ministre est au courant pour venir arrêter. Le Premier ministre n'a pas l'autre pour arrêter. Maintenant, puisque il n'y a pas matière, selon le substitut commissaire du gouvernement, il n'y a pas matière pour qu'il y ait des dans la prison, machine pénitentiaire qui est venue pour qu'il y même. Donc, les policiers, même des policiers dans le commissariat d'Elma, quittent la machine. C'est la deuxième résidence pour nous. Vous ne pouvez pas arrêter les gens pendant que la machine pour entrer dans la machine. Pas qu'il y ait un juge de peine à un moment pour que l'autre puisse entrer dans la machine. Elle dit monsieur, entrez de quoi pour chef pour entrer dans la machine, pour avoir une machine dans la case. Pas d'arrestation, c'est qui peut être sorti. Nous avons sorti dans la radio, nous avons d'Elma dans le commissariat d'Elma. Là, nous venons dans le commissariat d'Elma, nous avons arrêté. Nous venons représenter mon mandat et puis arrêté. Il y a beaucoup de monde qui était prêt avec Nico, il y a des déclarations qu'on fait qui contre l'État, contre l'ancien premier, alors ancien président et puis également contre le premier ministre. Qui s'est encore capable de dans ce sens? Moi, je vais jeter à toute force et Jean de Baïsao, tout ça qu'on a dit au public, je suis frustration et puis il est passé dans le micro. Même pas besoin d'aller au-delà de frustration, par exemple, je vais prendre un exemple. L'Ontario Académie de police. Ou bien un frère qui mourit en bas de bandit, un commissaire divisionnaire. Un commissaire divisionnaire qui sortit agent 2, qui vient commissaire divisionnaire. Qui passe tout grade ça. Devant l'académie. Retourel. Pas qu'aucune réponse qui baille. L'autre ou notre confrère, qui est inspecteur divisionnaire, capteur en circulation, n'a évité le mot devant l'académie. L'autre est 10 personnes, malade, machin, maman c'était machin. Il mourit devant l'académie. Académie de police, l'école magistrature. L'aime passer dans l'académie, l'aime passer là, l'aime apprendre comme ça. Joue ça. C'est normal pour me frustrer, c'est normal pour me vexer, c'est normal pour me manquer l'état, dégâts, pour me dire l'état, dégâts, il prend mal, gérer bagayo en grand monde parce que pas aucune réponse qui baille joie, ni joie, ni après joie, pas aucune réponse qui baille. Comme j'ai divisionné à mourir, famille qui perdit.
institution toujours été. Mais oublié, si le commissaire divisionnaire, qui madame, qui est petite, inspecteur divisionnaire, l'autre policier qui mourit, je suis fâché parce que mauvais, non m'y crois, je ne suis pas capable de faire ça. Oui, oui. C'est le commissaire qui a posé une question ça. Est-ce que je ne parle pas mal de premier ministre, de directeur général, de Jacques Lafontaine? Je me dis oui, je ne parle pas avec mon nom de l'État pour me dire que je prends mes. Ce n'est pas possible pour diriger l'État, pour tenir compte de seulement de ses avantages, et puis pour laisser ce peuple-là à n'importe qui, pour aider tout le monde à n'importe comment. Et pour être ça, si c'est pour ça pour me punir, je vais faire caille pour me. Je viens de dire qu'il y a des grandes décantations anti-Jean et puis Esaïe César, déclaration anti-Jean. Esaïe César, c'est Esaïe César. Tijan, c'est Tijan. Est-ce que vous comprenez? Tijan, c'est Tijan. Esaïe César, c'est Esaïe César. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez? Jour machine, bouteille ou un petit Jean, était intact dans la machine? Tu vas casser? Bouteille ou un petit Jean, était intact dans la machine? C'est hier mal pour une bouteille là. Tout va écraser net. Machine écrasée net, farine. Bouteille Tijan, ça va traiter. Vous comprenez le symbolisme ça? On ne peut pas jouer à l'esprit. On te dit, monsieur, quitte la machine là. Est-ce qu'on compte qui ça mettre la machine là? Mettre la machine là, on servit à l'île. Mettre la machine là, on servit à l'île. Moi-même, je suis servit à l'île. Aucune inquiétude par rapport à la façon dont l'État a fait ça? Bon, même comme l'État, son l'État. Mais moli. M'obligé à venir côté l'État, demander l'État. Dès qu'il prévient, est-ce qu'il n'y a pas de machine là? Parce que la machine n'est pas moi. Comme c'est l'État que vous arrêtez, c'est le premier ministre qui chef l'État. Et le premier ministre qui chef gouvernement. C'est le premier ministre qui chef CSPN. C'est le conseil supérieur, police nationale. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui vous mettez ensemble avec LB, ensemble avec Frédéric Lecôte, pour mettre la machine là. Ensemble de revendication, ça aussi dans quatre problèmes pour la machine là. Oui, c'est ça. Si toutefois vous va remettre. Si toutefois vous va remettre lui, je vais quitter ça dans mes avocats monio, je vais quitter ça dans mes grands maîtres là. Et puis pour gérer ça. Et puis je vais quitter ça dans mes peuples là. Que M. Esaïe César, journal vedette, émission Matin Débat, ait subi un enlèvement parce qu'on barrage d'arrestation. Parce que pour parler d'arrestation, il faut que tu aies une infraction. Motif que tu mets dans le mandat, c'est complot contre la sûreté intérieure de l'État et menace contre le Premier ministre. Nous-mêmes, comme hommes de loi, tout le monde est clair. Au moment que la police t'a enlevé ou bien arrêté Jérôme Dylan, M. Esaïe César, qui est un d'un commissariat d'Elma 23, un d'un commissariat, clair pour nous bien commencer, un d'un commissariat. M. Esaïe César était clair, il était dit, monsieur, il était sur machine, c'est machine Madame Kim. Il a dit, monsieur, quittez machine là, mettez machine là, vous prenez. Parce que la machine n'est pas pour moi. Monsieur le policier, pris en dehors de CPJ, en dehors de la loi, sans présence au juge de paix, nous comprenons que la machine, c'est prolongement cabinet et domicile. Monsieur Zahir César, c'est prolongement domicile, quel que soit la machine, moun, on qui gagne machine. On ne peut pas rentrer là-dedans, c'est sans présence au juge de paix. Eh bien, en tant que prolongement domicile machine, M. Esaïe César, il détient à ce que faut gagner deux machines. Parce que machine n'a pas gagné rien pour le faire avec Mme Damné que vous avez dit que c'est policier. Qui viole la loi, qui pas respecté rien comme principe, ça vous fait, vous montez machine, vous prenez machine sans un juge de paix. Vous ne pouvez pas même mettre M. Esaïe César dans la machine. Vous avez dit conduire la machine par là. Vous comprenez bien? Je te dis que conduire la machine par là. Et puis vous-même, vous accompagnez dans la machine. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous faites le descendre la machine. Vous faites monter la machine par là. Et puis, vous-même, vous avez Esaïe César. C'est en retournant, M. Esaïe César, sur le DCPJ pour aller dans le parquet. Il vient de voir. La machine crabine est fermée. Je ne sais pas si vous avez raison. Regardez, vous avez fait ça dans la machine DCPJ. Vous avez machine. Qui parle de machine par là, qui était prêté, eh bien, on va essayer de s'en caser. Comme lui-même, en tant que un journaliste, qui connaît ça, la loi dit exactement tout, il va faire attention. Parce qu'il connaît machine par là, et pas là. Parce que machine par là, pièce policière, pas qu'il doit monter, sans pas gagner un juge de paix qui est autorisé à garder un sac de machine, etc. En tant que
Esaïe César, qui c'est un journaliste, que tout le monde connaît, qui a pile monde même, qui a mon raï tout, parce que l'on a dit ça qui en Haïti, ou bien mon qui raïou. Ça que je veux, je ne vais pas prendre des bagailles dans la machine. Je vais te mettre des armes, je vais te mettre des drogues, je vais te mettre toutes les bagailles. Eh bien, monsieur, pour la machine, il y a une grâce. Nous-mêmes, nous estimons les Haïtiens, et monsieur Ariel Henry, il quitte pas ça, il est trop loin. Pour qui ça? Depuis que je vais à la passe, monsieur, pas de douer toutes les bagailles. C'est relé, monsieur, contactez monsieur Zahis, c'est ça. C'est à nous comprendre que nous avons un père, nous avons des autres qui font policier, pas de monter machine nous. Eh bien, puisque vous avez de monter machine nous, policier monter machine nous casse, est-ce que tout le bagaille que vous avez dans la machine, est-ce que vous jouez? Laissez à monsieur Zahis, c'est ça, lui-même, vous avez gardé dans la machine, est-ce que ça a été gagné là? Si vous avez qui perd, vous avez dit que vous avez un n'a pas mettre machine nous comme son machine qui a peine acheté dans Universal Motors. OK, comprenez bien oui. Eh bien monsieur pas la gagner de nous toi, tu aller dans Universal Motors, yo t'app remettre madame dans machine. Mais jusqu'à présent c'est dit la toi qu'a fait, mais jodi a madame là obligée venir devant et résidence officielle monsieur Ariel Henry premier ministre de fait jusqu'à date pour venir demander machine et n'a plan son message avec toute organisation droit femme, toute organisation sociale qui a lutté dans le pays, toute organisation droit monde, tout le monde qui dit que y aurait même attendu débat, tout le monde qui dit que y aurait même vraiment Esaïe César, tout le monde qui a bataille contre l'injustice, contre l'impunité dans le pays, pour y rejoindre nous dans le mouvement ça, pour y rejoindre nous dans la bataille ça, parce que ce bataille qui est juste, c'est pour bataille dans faire, pour demander. En rien qui est illégal, son bataille n'a fait pour nous demander un bagage qui revient madame dans le droit, une machine que vous pouvez plus payer. Je pense que M. Ariel Henry a gagné pour nous et il est informé et tout le monde qui est aux alentours a gagné pour nous entendre pour nous et pour nous comprendre. Et je pense que vous avez gagné des avocats pour tenir. Si je parle de André Michel qui soit avocat, si je parle de Maître Tolbert Alexis qui soit avocat. Si n'a pas de plusieurs autres avocats qui connaissent qui n'a pas matu, ils connaissent exactement ça m'a dit en ma qualité d'avocat, police va devoir monter machine, le fait que machine est casée, la responsabilité incombe à l'État à décider. Mais Caleb de l'amour, mais Caleb bon tout bagage. Baptiste. Baptiste bon tout bagage. Bon bagage, est-ce que il t'a supposé c'est dévasser pour la paix, est-ce que pas une autre travail pour faire, nous rencontrer des gens responsables etc. pour nous avant que nous arrivions là. Écoutez. Nous-mêmes, comme avocats, première chose à nous faire, nous sommes des CPJ, nous sommes notre entité, nous demandons pour remettre nos machines. Nous avons un jour qui est égal à trois jours. Vous voyez? Pour remettre nos machines. En bonne logique, là, nous sommes ça que nous faire. Nous devons les contacter, M. Zahir César. Vous dites, M. Zahir César, ok, dans un jour qui est égal à trois jours ordinaire, nous ne pouvons pas faire toutes les formalités administratives avec Berman Motors. Ou bien avec Universal Motors, excusez Universal Motors. Eh bien, dans 8 jours, mettre passer dans Universal Motors, passer à, et puis vous mettre passer à regarder même modèle machine, même tout le bagage, et à vous mettre l'autre machine. Ou bien, c'est ça nous pensons. C'est réseau ça nous-mêmes, nous te fait un acte extrajudiciaire qui sont sommation. Et ça que tu es plus bagage, nous t'es allé à tout, nous t'es allé pour te cabane nous en ordre, pour remettre nos machines, puisque vous connaissez le commissaire gouvernement. C'est qui ça, oui. Yo c'est représentant exécutif là dans le pouvoir judiciaire pour le commissaire les batailles en parlant de commissaire qui a changé pour te nous porter. Mais encore mes amis, c'est clair. Ce machine tout nous écrasé. Machine nous tout et machine actuellement côté lié par sous contrôle monsieur Zahir César. Il va sous contrôle madame machine qui c'est madame Kim, il sous contrôle de CPJ, la police, la justice. Police sous contrôle travail ça. Qui information de vous donner là? Eh bien, vous connaissez que les policiers ne peuvent jamais connaître. Qui est-ce qui a pris les policiers? C'est DCPJ qui a pris les policiers. Parce que, d'après M. Zahir César, les policiers ont été encagoulés. Même si on est encagoulé, nous ne pouvons jamais connaître. Parce que nous ne connaissons pas. Nous avons une arrestation, nous ne pouvons pas nous mettre. C'est une entité où juste garder, où on a une machine tout, qui n'a pas le numéro, qui n'a pas le numéro, où est-ce? Et heureusement, vous avez pris M. Zahir César dans le DCPJ. Le commissariat. Et des commissariats de CPJ, de CPJ, parce que là, nous estimons que Néguio, monsieur Nandeta, il arrive trop bas. Mes amis, en sérieux, nos citoyens et nos journalistes, dis-moi machine qui est crasée, en sérieux, monsieur.
qui est écrasé. C'est nous qui violons la loi, qui va devoir monter machine négale, nous monter nous écraser. Mais pour qui ça, depuis la consommation, ça a? Nous pas même les nègres là pour nous contacter. Ah, Esaïe, nous comprenons ça qui veut. Il n'y a pas de qui doit arriver, la police n'a pas de qui doit monter la machine jusqu'à Brial Kazel, pas de juge de Babadien. Mon cher, venez joindre nous pour nous remettre la machine parce que la machine, nous connaissons la machine pour vous. Ces machines font petit à l'école pour tout le monde.